Chers tous, bonjour. Sylvie Calabre, directrice de territoire de la CEPAC, caisse d'épargne en Guyane, installée depuis 2016, directrice dans le secteur bancaire depuis plus de 12 ans en Guyane. J'accompagne les acteurs économiques, qu'ils soient particuliers et professionnels, depuis 12 ans. J'ai le sentiment d'être un véritable partenaire des entreprises dans toute la périphérie du monde de l'entreprise, à la fois via les salariés et via les professionnels. Je me présente aujourd'hui au conseil d'administration pour apporter ma connaissance du terrain, mon expertise financière, mes valeurs qui sont très proches de celles du territoire sur lequel j'évolue, qui est devenu mon territoire, une vision évolutive de la Guyane avec les contraintes d'un monde financier qui deviennent de plus en plus prégnantes pour les entreprises. Et il me semble nécessaire au sein du MEDEF d'avoir quelqu'un qui a une analyse et une perception un petit peu plus financière, parce que nombre de fois vous avez été confronté à des refus que vous n'avez pas pu comprendre. Et l'idée aujourd'hui est d'accompagner le mieux possible les entreprises dans leur développement. Et cela passe évidemment par un partenariat financier. La Caisse d'épargne souhaite se développer, ne le fait pas comme une entreprise, comme une banque de l'Hexagone, mais vraiment comme une banque guyanaise. Récemment, nous avons ouvert une agence à Saint-Laurent-du-Maroni. L'accent a été mis sur l'embauche de jeunes Guyanais. Le développement continue et continuera. Travailler l'intérieur des terres et rapprocher les sites éloignés. En gros, des valeurs qui me semblent être celles du MEDEF. Vraiment développer l'économie guyanaise avec les Guyanais.